Et coucou! Alors cette semaine c'est une vidéo Mais avant de wishlist. démarrer Cette petite vidéo, je voulais te raconter une petite histoire en fait. Donc en voulant faire cette vidéo, je me suis dit je vais incorporer des images à côté de moi quand je te cite les plantes en fait. Et je me suis dit il faudrait que je trouve des images. Mais bon les images, tu peux pas prendre ce que tu veux, droit d'auteur et tout ça. Donc bon, je me suis dit comment je pourrais faire? Donc je me suis dit je vais contacter un site, un e-shop de bon, plantes. J'ai contacté ce e-shop. Donc c'est un e-shop que à chaque fois je tape le nom d'une plante que moi je veux. Que tu verras après sur la vidéo, évidemment. Je tombe toujours sur lui. Donc, ce shop, c'est Bouture et moi. Donc, je pense que tout le monde le connaît, c'est assez connu, voilà. Donc, je leur demande est-ce que je peux prendre leurs images pour illustrer ma vidéo. Bonjour. J'envoie un message, je me reprends ça en me disant que. Donc, le Bonjour. lendemain, elle me répond. Elle me dit oui, bien sûr, pas de problème, tu peux le faire. Et elle me dit du coup, je t'enverrai une petite surprise, pardon. Bon, je dis écoute, non, enfin, moi, je l'ai pas fait pour ça, c'était pas la Donc démarche. J'étais un démarre. peu gêné, voilà. Mais bon. Elle m'a dit, si, t'inquiète pas, ça fait plaisir, on te l'envoie, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà. Du coup, j'ai reçu une petite surprise. Donc, je ne l'ai pas ouvert. On l'ouvre ensemble et puis on voit ce qu'il y a dedans. Donc, voici le petit colis. Donc, on va l'ouvrir. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, hein, je vous le dis. Elle m'a dit, je t'envoie une surprise. D'ailleurs, encore, c'est vrai que je n'ai même pas pensé, d'ailleurs, encore merci beaucoup au shop Bouture et moi, bien sûr, parce que franchement, c'est vraiment super sympa et je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, merci, 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 merci mille fois. Bon, je vous mettrai toutes le site, enfin, tout ce qu'il faut en barre de description, le lien, tout ça. Apparemment, nous avons deux surprises. Voilà. On va commencer par le petit. Donc, c'est un petit pothos Enjoy, voilà, qu'on adore. Moi, le Enjoy, je l'adore. Je l'ai déjà en plusieurs exemplaires, mais bon, je vais le rajouter aux autres. Ça va être super. Voilà, petit pothos Enjoy. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Hein. À la base, elle m'avait dit un. Je suis encore ultra gêné d'ailleurs. Premier unboxing de la chaîne. C'est pas prévu à la base. Waouh! Incroyable! Alors, c'est une Aglaonema. Alors, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais Donc, je disais, franchement, mais encore mille merci à Bouture et moi, parce que franchement, c'est incroyable. Donc, comme vous le verrez par la suite, c'est une plante de ma wishlist, évidemment. Voilà, donc je ne sais plus le nom, je vous le redirai après, parce que là, en fait, je fais cette vidéo sur l'instant. Hein. Il est 19h. Le colis a passé la journée dans un point relais. Donc j'étais le chercher en vitesse là il y a allez, un petit quart d'heure. Donc en fait la vidéo wishlist n'est pas encore tournée. Hein, parce que je voulais attendre de recevoir donc ces deux petites choses. À la base, il y en avait une. Hein. Il m'avait dit une seule. Mais franchement, encore mille, 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 mille merci. Donc Bouture et moi, donc c'est le site et le shop. C'est un shop français, il me semble. Donc allez-y. Voilà, donc une petite bouture de Pothos Enjoy. Voilà, l'emballage est canon en plus, j'adore. Avec les petits pochons comme ça avec la ficelle, c'est trop mignon, j'adore. Et donc, une Aglaonema, voilà. Donc, toute blanche, qui était sur ma wishlist, bien sûr. Qui est sur leur site, bien sûr, évidemment. Donc, qui était sur ma wishlist. Écoute, je suis, pour rester poli, sur le cul. Mais vraiment, c'est incroyable. Je suis très gêné, parce que le but n'était pas du tout de ça quoi, c'était je voulais juste récupérer leurs photos pour illustrer la vidéo qui va suivre. Mais franchement je pense que j'aurais jamais assez de merci pour vous remercier parce que c'est vraiment incroyable, voilà. Donc j'ai fait la vidéo sur l'instant, hein, voilà, c'est je suis wow. Je viens juste d'ouvrir le colis, on l'a ouvert ensemble à l'instant. Voilà, franchement, je sais pas, mille merci à ce site, c'est incroyable. Le site Bouture et moi, voilà. Écoute, voilà. Merci, 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 et encore merci, parce que franchement, c'est incroyable. Voilà. J'ai décidé de vous filmer le rempotage, comme ça, Voilà. vite fait, on va dire, parce que voilà. Donc voilà, on le reçoit comme ça, dans un petit pot, je l'avais déjà enlevé. Hein. C'est un petit sac, en fait. Donc, il est dans la sphaigne. Hop, tout simplement.
Voilà, donc je rappelle, Vinagla Onéma, excusez-moi, j'ai plus le nom en tête. Hein, parce que là, je fais ça vraiment. Là, je fais ça comme ça. Hein. Donc, bon, mais incroyable. Je suis encore épaté. C'est pour ça que la vidéo va peut-être un peu. Ça va peut-être un peu aller vite, mais là, c'est vrai que je suis tellement épaté que. Bon, allons-y. On se fait un petit rempotage vite fait, comme ça, elle va être bien. Donc voilà, petit rempotage à Aglaonema, mais j'adore. Je suis déjà amoureux de cette plante. Les Aglaonema, enfin, je trouve ça hyper simple, c'est pas du tout chiant, c'est pas embêtant, ça pousse très vite. Bon, là, elle est encore toute... voilà, c'est avec le transport, elle est encore toute fermée, mais voilà. Une beauté, les gars. Voilà, et encore vraiment mille merci au shop Bouture et moi. Vous êtes incroyable, incroyable. Merci, merci. Donc du coup, on va s'intéresser donc à la wishlist vraiment elle-même. Bah, forcément, la Aglaonema est juste là. Donc, elle était dans ma wishlist, bien sûr. Donc, Aglaonema, comme tu l'as vu, bon, voilà, juste avant, la White Joy. Donc, voilà. Donc là, elle est rempotée depuis... je l'ai fait hier soir. Voilà, j'ai pas fait la vidéo, là, je l'ai fait juste le lendemain. Donc, voilà, toujours incroyable. Enfin, moi, je l'adore. Voilà. Donc, elle a commencé un peu à s'ouvrir. Bon, pas encore. Bon, après, le transport, les plantes n'aiment pas trop ça. Donc, je pense qu'il faut le temps qu'elle s'habitue un peu à chez moi, la chaleur, la lumière, tout ça. Mais bon... je ne suis pas inquiet, c'est une Aglaonema. Bon, une Aglaonema, c'est assez résistant, c'est... Enfin, chez moi, en tout cas, c'est robuste, ça pousse vachement vite, donc... Donc voilà, ma petite beauté. Merci encore à Bouture et moi, bien sûr, mais bon, je... Ça fait un peu cliché de dire tout le temps merci, mais voilà, je suis tellement... gêné, enfin, j'étais... Voilà, c'est... Incroyable, merci. Le petit Pothos Enjoy. Donc lui, j'ai laissé en eau, parce qu'en fait, j'ai un... J'ai un petit projet avec les pothos, parce que j'ai pas mal de pothos dans cette pièce que j'espère faire cette année. Donc du coup, je l'ai laissé en eau, je vais pas le planter pour le renlever après, ça sert à rien. Donc voilà, on adore toujours le Enjoy. Incroyable, c'est la régalation. Donc ensuite, ça va être une Omalomena. Donc là, c'est la rubescence. C'est un peu les couleurs un peu, voilà, les verts un peu fluo comme moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup les plantes un peu vertes. Plus fluo, les verts clairs comme ça, j'adore. Mais après, voilà, j'aime toutes, il y a plusieurs variétés. Donc, Omalomena, alors c'est pareil, moi, je n'en ai jamais vu en vrai, parce que comme chez moi, les jardineries, c'est un peu compliqué pour trouver une plante. Tu leur dis un nom de plante, ils ne savent même pas ce que c'est. Bon, bref, c'est un peu, voilà. Donc, Omalomena, je trouve ça vachement intéressant. C'est une pièce de, quand elle est grande, c'est une... Enfin, voilà, après, c'est une plante où il faut de la place. Hein, parce que ça peut vite grandir, ça peut être très envahissant. Mais je la trouve vachement intéressant, c'est ces grosses feuilles comme ça. Je trouve ça magnifique. Alors ensuite, une plante que je cherche depuis très longtemps. Je cherche. Elle commence à apparaître à des prix, j'ai envie de dire, raisonnables. Non, il y a eu une offre il n'y a pas longtemps dans les Jardiland. Je crois qu'elle était dans les 20 euros, il me semble. Bon, moi, je suis allé au mien, tout content, tout heureux. Je dis, là, j'ai cherché, machin, j'ai fait le tour. Je demande à un vendeur, est-ce qu'ils ont reçu des Jacqueline? Il me dit, les quoi? Je dis bon, lâche l'affaire, ils y connaissent rien, bon, bref. Donc, c'est l'Alocasia Jacqueline, du coup, voilà. Alors, moi, je l'adore. Alors, la forme des feuilles, elle est un petit peu poilue sur les feuilles, la forme, le. Enfin, moi, j'aime les plantes au port très, très élancé. Donc, les Alocasia, c'est le cas, donc je suis un grand fan d'Alocasia. Mais la Jacqueline, je la trouve complètement incroyable, cette espèce de feuille découpée, là. Bon, je l'ai jamais vu en vrai, hein. Bon, j'ai eu des milliards de photos, j'ai eu des milliards de vidéos, tout ça, mais. Mais je la trouve complètement incroyable. Donc, Alocasia Jacqueline. On va rester dans les Alocasia. Donc, Alocasia Platinum. Alors oui, c'est pareil, je l'adore. La couleur un petit peu claire. On dirait que ça fait un peu comme argenté, les feuilles assez brillantes. Bon, c'est pareil, je ne l'ai jamais vu en vrai, malheureusement, parce que mes jardineries... voilà. et je le trouve vachement intéressant. Les tiges un petit peu plus claires, la feuille vachement claire, vert un peu plus clair. Les feuilles sont... Oh, enfin bref. Un Alocasia. Moi, je suis bien là. Je suis un grand fan. J'adore. Donc, lui, j'espère le trouver et l'avoir assez rapidement parce que je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, on va passer du côté des Monstera. Donc, la Monstera Dubia. Voilà. Bon, ça, c'est le grand classique du moment. Je la vois partout. Tout le monde l'a. Enfin, voilà. C'est assez incroyable comme plante qui se colle à son support comme ça. C'est complètement dingue. Elle est magnifique. Quand les feuilles sont bien installées sur les cultures, elles font des grosses feuilles. C'est magnifique. Bon, les prix commencent à baisser. On commence à en trouver à des prix, je trouve, assez intéressants. Donc, mais c'est pareil, j'ai jamais vu en vrai, malheureusement. Mais voilà, c'est après moi, de base, je suis pas très Monstera. Je vais te dire pourquoi.
Parce que moi, je trouve que tout ce qui est Monstera, ça Ah. attire vachement les trips. C'est voilà, là derrière j'ai une Monstera classique, juste là. Si je la surveille pas, voilà, je pense que les trips, je l'aurais déjà envahi, je l'aurais déjà bouffé. Voilà. Donc moi, je trouve que les voilà, tout ce qui est Monstera, c'est un peu faut bien 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 surveiller. Donc là, j'ai acheté récemment la Monstera Variegata. Je t'ai montré dans une vidéo précédente. Voilà, je la surveille comme le. Voilà, je la surveille, je suis au petit soin parce que je veux pas qu'il y ait des tripes, je veux pas que. Bon, alors voilà, forcément en avoir. Hein, mais voilà, je la surveille bien parce que moi, les Monstera, j'ai toujours un problème avec eux. Faut vachement les Est-ce surveiller, qu'on ouais. resterait pas dans les Monstera? Donc moi, j'ai la version, j'allais dire classique, donc verte. Voilà. Donc c'est la Monstera Adansonii Variegata. La beauté. Incroyable. On adore. Ouais, moi, j'aime beaucoup les plantes. À variegation, hein. Je trouve ça assez incroyable. Enfin, c'est d'une beauté, c'est fou. Mais après, c'est vrai que les variegations, voilà, c'est des fois c'est un peu plus compliqué à tenir. Le blanc, bien sûr, le blanc est plus dur à tenir. Il faut une lumière assez forte. Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais quand c'est en forme et que ça pousse, c'est d'une beauté. Mais c'est comme c'est pas permis, quoi. Donc celle-là, c'est pareil. J'ai jamais vu en vrai. Donc, mais la Mais non. Monstera Adansonii Variegata, les gars. Elle est juste incroyable, je l'adore. Et je trouve que pareil, les prix ont commencé, ils commencent un peu à baisser, je trouve. Donc ça commence à devenir intéressant. Donc elle devrait pas trop tarder. Alors ensuite, on va passer du côté des philos. Alors moi, les philos, c'est pareil. Tout début, j'avais commencé, j'en avais eu quelques-uns, les philos. Mais alors moi, je pareil, les philos. Un peu comme les Monstera, je trouve que voilà, ça attire vachement les tripes. Il faut faire attention, il faut les surveiller. Là, j'ai un philo gloriosum. J'en ai deux, il y en a là. Voilà. Donc, ils poussent bien, hein. Ça, moi, je trouve que les gloriosums sont assez simples, ils poussent assez vite, ils me font des belles feuilles, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il faut vachement les surveiller. Parce que les trips adorent les philos. Donc, voilà. Là, je commence à me relancer un peu dans les philos. Donc, là, ça va être le philo mamey. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas de mots, c'est une beauté. Voilà. Après, les philos, c'est pareil, je pense qu'il faut de la place, que ça prend énormément de place. Quand les feuilles deviennent vraiment matures et que la plante est mature, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Donc c'est pour ça, pas trop de philo, parce que la place commence un peu à manquer, j'ai envie de te dire. Donc voilà, mes philo mamey, voilà, bah, incroyable quoi, fantastique. Et donc pour finir, je pense que c'est voilà, c'est vraiment la plante, enfin celle que je veux, que j'adore, que je trouve complètement Donc ça va incroyable, être... une alocasia bien sûr. Moi j'adore les alocasias, ça me rend fou, c'est complètement dingue. Donc c'est la fameuse alocasia Friedegg variegata. Bon, bah là, je pense qu'il n'y a pas de mots. Faut juste regarder, faut l'admirer. C'est une beauté, mais incroyable. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui l'ont, qui montent des vidéos de leurs plantes. Oh, écoute, à chaque fois, je me dis, mais cette plante est vraiment incroyable. Il me la faut absolument. Bon, les prix, pour l'instant, en ce moment, comment te dire que les prix un peu s'envolent? Donc, je vais laisser passer un peu mon tour. Je pense que c'est une plante qui va être sur ma wishlist 2024, 2025, 2026. Voilà, non, franchement, non. Moi, je pense que voilà, là, j'ai acheté la Monstera Variegata, là, il n'y a pas très longtemps sur la vidéo en Belgique. Voilà, je l'ai payé 70 euros. Voilà, je pense que 70 euros, 80 euros, voilà. Moi, pour moi, ça va être mon maxi, je pense. Après, faut pas oublier que ça reste du vivant. Donc, si je paye une plante 135, 140, 150 euros, franchement. Si j'arrive pas à la tenir et qu'elle meurt, voilà, je serais quand même un peu dégoûté. Faut pas se cacher, hein, voilà. Voilà, je pense que dans les 80 euros, je pense que c'est un peu mon maximum, je pense. Mais bon, la beauté, quoi, j'ai envie de dire, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Je l'adore et je l'aurai. Donc voilà pour cette petite wishlist. Voilà, j'ai pas mis 40 plantes parce que de toute façon, j'aurais pas les 40 dans l'année. J'aurais même pas toutes celles que je viens de te citer. Enfin, je ne pense pas, je l'espère, mais je ne pense pas. Je veux encore remercier, évidemment, encore une fois, le site Bouture et moi. Donc, toutes les plantes que je t'ai montrées viennent de leur site, bien sûr. Donc, il y en a qui ne sont pas en stock, tu as vu, mais bon, ils réassortent le site tous les jeudis à 20h, il me semble. Donc, voilà, faut être sur le coup, faut y aller. À jeudi, 20h, le réassort est fait. Voilà, et ben écoute, encore déjà, merci, merci encore à eux. C'est incroyable, cette beauté. Merci, merci. Du coup, bah écoute, on se retrouve bah, dimanche, du coup, pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires de plantes. Salut!